Damn, les gens sont retirés en balade. Alors... on a pris un pick-up pour aller au centre-ville, ça va plus vite. Arthur en balade au Mexique, c'est parti! Bonjour, nous sommes le mardi 8 août et Emmanuel va nous dire où on est parce que j'arrive pas à prononcer. On est au Parian de Tlaquepaque. D'accord, et ben en fait, de ce que j'ai compris, c'est un endroit où il y a un marché artisanal important, c'est ça? Ouais. Voilà. Et donc là, on va déjeuner tranquillement, alors que Yulen et moi, on était en train de travailler ce matin. Ouais. Carlito! Voilà. Allez! Qu'est-ce que comme ça, genre? Non, mais tout! C'est comme ça, au cas où tu puisses plus avoir fait, ça serait con. On lui a un peu plus de sauce tomate, sûr. Bon, bon, PLS. Moi, je peux dire que t'as bouffé une torta au gala. Mexique. Même les Mexicains qui bouffent ça, ils pleurent, ils ont les lèvres qui brûlent. Même les Mexicains. Ils reniflent tout le temps. Hein. Ils adorent ça, ils sont un peu maso. Mais tu vas pleurer, hein, tu vas renifler tout. Après, quand tu vas écouter, ça va être bien. Tu vas avoir les lèvres qui brûlent jusqu'à ce soir. La bouchée des chiottes, je suis pilard. C'est pour ça que ça se bouffe. C'est bien que vous partagez les mêmes chiottes. Hein. Non, ça, il y en a deux chiottes. Oui. Arrête, t'es un bâtard pour un verre plus loin. Ça s'appelle comment ce qu'il a pris là? Torta ahogada. Et ahogada, c'est leur noyé, ça? Leur noyé. Ah, ça se contient. Allez, ça tourne. On va tester. Rappelle-moi le nom du truc. Une torta ahogada. Torta ahogada. Mets bien la sauce, hein. On va trapage dessus, juste en dessous, comme si je fais. Prends un peu de poil, sinon ça va te couper. Bon, allez, vas-y, je prends pas de poil. Mmh. Ah oui, vous mettez du sucre. Ah là, j'ai très envie de tousser. J'ai vraiment très envie de tousser, je peux retirer. Mmh. Ça va, hein? Une chie, maman. Ça va. Attends, je prends vraiment le dessus. Prends ce bout de viande là. Ouais, vas-y. Je transpire. C'est bon, ça se mange. Dans un magasin. Un magasin de quoi? Difficile à dire, hein, comme ça. Peut-être de tequila. Plus Arthur en balade. Non, on va changer le concept. Okay. C'est plus Arthur en balade, c'est Arthur en bagarre. Ok.
Bah salut, sortir en bagarre. Il y a rien dedans. Plein de bijoux. À la scène la plus insolite du monde. Est-ce que vous avez déjà vu une statue en cuivre qui se battait avec un unijambiste complètement bourré? Bah moi aussi. Pour remettre les choses dans leur contexte, en fait, la statue en cuivre, c'était un mec qui faisait la statue, qui voilà, un artiste de rue qui faisait la statue et qui était tout peint en couleur cuivrée. Et l'unijambiste qui était bourré a voulu lui voler sa caisse de pièces de monnaie. Et du coup, il s'est emporté. Et j'ai filmé la fin du combat pour votre plus grand plaisir, mes chers abonnés. Temple de la tequila. Qui nous dit la casa verde? Pour info, c'est la crème d'agave. Et ça, c'est quoi? Ça, c'était cassaverdé extra mûr. Je croyais que j'aimais pas la tequila. Parce qu'en France, toutes les tequilas qu'il y a, c'est de la tequila de merde. Et la tequila d'ici, elle est super bonne. Cool quand on a Emmanuel comme guide, c'est qu'on est très rapidement mis dans l'ambiance du Mexique. Allez, c'est parti. Oh, salut, c'est Arthur Malade. Hein. C'est bien pour vous en faire. Il y a une place à côté de lui, là, c'est bon. Il y a un métier, c'est le métier. Il y a un
C'est Arthur, je le balade toujours, mais j'ai pris un meilleur moyen de transport. Genre les 4, je crois que c'est les 4 meilleurs. C'est trop facile à manger. Ça va gagner à tous les. On fait un petit tour en pick-up, on arrive dans l'un des plus beaux, sur l'une des plus belles places de Guadalajara. Voici. La cathédrale. Actuellement dans le plus grand bazar de Guadalajara et on regarde un petit peu toutes les spécialités de la ville. Je crois que j'ai trouvé comment on va faire pour récupérer notre argent de l'avion. En effet, ce chien de 12 ans est perdu. On recherche 500 euros de récompense. 500 euros, putain. Bon, ce soir, pour terminer la journée, on va aller voir un combat de lucha libre qui est le catch mexicain. Et ça va être énorme. Là, il est presque 9h, apparemment le combat il commençait à 8h15 et ça fait déjà un quart d'heure qu'on attend ici. Il y a trop de bruit. Il y a beaucoup trop de bruit. C'est quoi les news, les gars? On va acheter de la tequila. Il est où, jamais? Tiens, alors dis-nous ce qu'on va prendre, Emmanuel. Alors, je pense qu'on va partir sur Rimador, qui est un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Ça veut dire que c'est de la merde, mais que c'est pas cher. Voilà. Et on investit dans Arthur Balade de deux caméras. una vez estuve en América para estudiar y bebí alcohol porque yo amo rum y tequila. Non mais il y a un truc qui me plaît pas parce que lui il a dit rhum, il a dit aussi il a dit un mot. C'est toi qui dis rhum. Non, lui il a dit rhum y tequila. Ah, rhum y tequila. Además es muy. Cabrón. ¿Cuál era la palabra? Cabrón. Cabrón. Y. Oui. ¿Quién sigue? Ah! Una vez estuve en América.
Salut à tous, on est jeudi soir, je suis un petit peu alcoolisé, mais là on va aller en boîte. Les filles elles viennent pas. Oh putain. Combien on est 4? On rentre dans un Uber. Mais non, on est, il y a Rarman. Ici, d'où? Il est où Yulen? Il est où Yulen? Il arrive. On a mis Yulen. It's last. Attends, on va tester dans un Uber, voir si ça passe. On va tester dans un Uber, voir si ça passe. Si ça passe dans un Uber, on est 5. On est 5, le problème c'est qu'il y a 4 places. Naya, il vient pas? Non, ouais, j'aime pas les meufs. Du coup, on est 5 mecs et 2 filles. Et les 2 filles, elles ont pas voulu venir. Les vamos à l'alcer les matins. Hein? J'aime pas Yulen. Hey Yulen! Ah si, c'est bon, il vient. Il frotte des poutes! Mais il a éteint la lumière, il vient. Le problème c'est qu'on est 5. Qui compte le beurre? Personne. Ken Compla. Pas Ken Compla et le. Uber. Ah, ouais, j'ai. T'as commandé le Uber? Hein? T'as commandé le Uber? Vas-y, je le prends. Je prends un SUV du coup. Non, normal. Deux. Et derrière, vous pouvez voir, bon, en fait, vous voyez rien du tout vu qu'il fait noir, mais. C'est la maison de Mama Pilar. C'est la maison où on est tous logés. Donc moi, Rarman. Aki, Emmanuel et Robin. Et Yulen. Tente. On va tenter de rentrer à 5 dans un Uber. Voilà, petit défi. Le nouveau défi de YouTube. Voilà, on va. Objectif de la journée, rentrer à 5 dans un Uber. Normalement, c'est 4 maximum. Inside. You understand? Solo sé que vamos al antro. ¿Entiendes? Solo sé que dicen que vamos al antro. Il est 11h30. Il est 11h30, on prend un Uber. Le problème, c'est que normalement, c'est 4 maximum. On va essayer de rentrer à 5. On va voir ce qui se passe. Si jamais ça passe pas, mais on va improviser. En vrai, est-ce que ici au Mexique, ils sont pas des couilles si on se met à 200 en siège? On prendra un taxi, on s'en fout. Okay, taxi, vas-y, prendra je prendra 8. Je commande. Vas-y, commande. Il a dit que c'était bon. Si c'est pas bon, on prend un taxi. Pas la tienne, c'est bueno. Normal. Des pédis, donc. C'est dépendé de los. Je paye en liquide. On paye en liquide. Non, carte bleue. Carte bleue, vas-y, je commande. Una caro como la. Pero yo le digo ahorita. Ayude. Si no, un taxi, vamos, un taxi. Es baremado. No, ya lo estás. Un taxi, ils s'en foutent. C'est la au pire, on prend un taxi. C'est vrai. Un taxi, ça coûte cher. Oh, ouais. Non, elle vient, les filles. Oh yes. Attends, mais commande pas. Yes. Attends, je vais commander. Non, en fait, il y a les filles qui viennent finalement. Yes. Du coup, il faut pas qu'on commande la Uber parce qu'on va être dans la merde. On est 7. Mais en fait, elles sont emprisonnées. Yes. Just one turn. Those are the are my keys. No. Oh my god. Someone happened to kill. Yes. Yes. Ça va rien du temps. Je bon, mais en fait, on est 7. Voilà. Sinon, on essaie de rentrer à 7 dans un SUV. Vas-y Emmanuel, avec Fizou, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on était 5. Dans un Uber, on peut rentrer qu'à 4, puisqu'il y a 4 places plus le chauffeur. On était 5, donc ça fait 6. Et. Non, c'est 5 le chauffeur. Bon, du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on rentrait comme si de rien n'était. On est rentré. Faut dire une chose, on n'a pas de chance, c'est que l'habitude, le Uber, c'est des voitures assez grosses. Et là on est tombé sur une Chevrolet Spark toute petite. Du coup on s'est dit on rentre comme si rien n'était. On est hyper serré. Bon, là vous voyez que deux personnes sur l'écran, mais en fait on est nombreux. Donc voilà, on va direction de la Santa, qui est le plus gros bar de la ville. Qui selon Emmanuel est la plus grosse boîte du monde. C'est assez impressionnant. On se revoit à l'intérieur. Ok. Allez, gracias. Bon, on vient d'arriver.
j'ai l'impression qu'on est dans un quartier un peu branché de Guadalajara. On est dans Andares, c'est le quartier le plus chic de Guadalajara. Voilà, et on peut voir autour de moi que ça bouge beaucoup malgré le fait qu'il soit déjà minuit. Elle est où la boîte? Elle est juste à droite là. Là où ça clignote. Santa. C'est bon, là où ça clignote. Ok. Et nous on va rentrer directement parce que j'ai un pass VIP. Nous aussi? Oui. Ah yes. VIP pass. Et là-bas. Là, il y a les gens qui font la queue à côté là.